Bonjour et bienvenue dans cette séance consacrée au refroidissement du gaz atomique par laser. Quand on pense au laser, on songe plus naturellement au chauffage qu'au refroidissement. Pourtant, avec la technologie laser, il est possible de ralentir fortement une collection d'atomes, de sorte que le gaz résultant se caractérise par une température qui peut descendre sous le micro-Kelvin. Voyons comment ça marche et expliquons tout d'abord l'effet d'un laser sur un atome au repos. Imaginons un faisceau laser de fréquence nu arrivant sur un atome au repos. Chaque photon du laser transporte une quantité de mouvement qui est donnée par la formule de Louis de Broglie, P égale h sur lambda, c'est-à-dire P égale h bar k, avec h bar égale h sur 2π et k égale 2π sur lambda. Supposons que l'atome présente une raie d'absorption de fréquence nu 0. La probabilité d'absorber un photon sera alors maximum lorsque nu égale nu 0. Dans ce cas, l'atome reçoit de la part du photon une quantité de mouvement qui vaut h bar k. Il acquiert alors une vitesse de recul, v égale h bar k sur m. L'atome est alors dans un état excité. Si tau est la durée de vie du niveau excité, il faudra attendre en moyenne cette durée pour que l'atome revienne dans son état fondamental en émettant un photon dans une direction aléatoire. C'est l'émission spontanée dont on a déjà parlé dans la première séance. Et lors de cette émission, l'atome subit aussi un recul, mais la direction d'émission étant aléatoire, on a en moyenne un recul nul. Une fois l'atome revenu dans son état fondamental, le processus se répète. Ainsi, en moyenne, l'atome subit un recul dans la direction du faisceau laser. Cherchons à déterminer la force maximale que peut produire le laser sur l'atome. Comme la durée moyenne d'absorption est également de tau, le processus ne peut pas se répéter plus vite qu'à raison d'une absorption tous les deux tau. C'est pourquoi, au maximum, l'atome reçoit en moyenne et de façon répétée une impulsion h bar k pendant la durée de tau, ce qui, en vertu de la seconde loi de Newton, correspond à une force maximum h bar k sur 2 tau. On parle de force radiative. Les premières expériences ont été réalisées sur des atomes alcalins tels que le césium 133 qui possède une raie d'absorption dans le proche infrarouge dont la durée de vie est de l'ordre de 30 nanosecondes. Le calcul donne F égale 10 puissance moins 20 newtons, ce qui correspond tout de même à une accélération gigantesque de 6000 G. On comprend ainsi que le laser peut être utilisé pour ralentir efficacement des atomes. Mais pour s'assurer que les atomes rapides sont bien ralentis et non accélérés, et pour éviter de pousser les atomes déjà immobiles, on utilise astucieusement l'effet Doppler. Expliquons le principe en décrivant une situation à une dimension. Envoyons deux faisceaux laser se propageant en sens contraire sur un gaz d'atome. On s'arrange pour que la fréquence d'absorption atomique soit légèrement supérieure à celle du laser. Ainsi, si un atome est immobile, d'une part, la probabilité pour qu'il y ait absorption d'un photon est faible, car il n'y a pas résonance, et d'autre part, cette probabilité est la même pour les deux lasers, de sorte que la pression de radiation qui en résulte est nulle. Imaginons maintenant qu'un atome se déplace dans la direction du laser de droite, à une vitesse v. À cause de l'effet Doppler, la fréquence perçue des photons émis à droite va donc augmenter et se rapprocher de la fréquence de résonance nu 0, ce qui augmente la probabilité d'absorption. À l'inverse, les photons qui arrivent de la gauche ont une fréquence perçue par l'atome qui diminue et donc s'éloigne de nu 0, ce qui diminue la probabilité d'absorption. Il en résulte que le laser de droite produit une pression de radiation plus importante que celui de gauche. Ainsi, l'atome ressent une pression de radiation vers la gauche quand elle se déplace vers la droite.
De la même façon, quand l'atome se déplace vers la gauche, c'est le laser de gauche qui produit une plus grande pression de radiation, d'où une force dirigée vers la droite. Finalement, l'atome ressent une force qui est à chaque instant opposée à la vitesse. On peut même montrer que pour de petites vitesses, la force s'écrit F égale moins alpha V. Il s'agit ici d'une force analogue à une force de frottement visqueux. Et si on éclaire un gaz d'atomes avec non pas une paire, mais trois paires de lasers suivant les trois directions perpendiculaires, les atomes seront alors freinés, quelle que soit la direction dans laquelle ils se déplacent. Ils seront alors littéralement englués dans ce rayonnement laser, comme une cuillère peut l'être dans un pot de miel. On parle d'ailleurs de mélasse optique pour désigner cette situation. C'est cette friction importante qui est responsable du freinage et donc du refroidissement des atomes. En effet, rappelons que la température d'un gaz est une mesure d'énergie cinétique. Par définition, l'énergie cinétique moyenne d'un atome vaut 3,5 de KBT, où KB est la constante de Boltzmann, qui est reliée à la constante des gaz parfaits et au nombre d'Avogadro via la relation KB égale R sur Na. Notez que dans un gaz refroidi par cette technologie, les atomes possèdent une vitesse moyenne faible mais non nulle, du fait de l'émission spontanée qui produit un recul. On peut montrer que la température minimale que l'on peut atteindre par ce dispositif est donnée par KBT égale H bar sur 2 taux. On trouve une température minimale de l'ordre d'une centaine de microkelvin, c'est-à-dire 100 millionième de degré au-dessus du zéro absolu. Depuis la fin des années 80, les laboratoires n'ont eu de cesse de chercher à passer en dessous de cette limite. Et il faut reconnaître que les progrès ont été fulgurants. En utilisant de façon astucieuse certains phénomènes quantiques sur lesquels je ne vais pas m'attarder, on a pu descendre sous la barre du nanokelvin. En 2003, une équipe du MIT a atteint 450 picokelvin. Bon, alors on peut se demander à quoi ça sert d'approcher d'aussi près le zéro absolu. Bien, tout d'abord, dans le domaine de la métrologie du temps, le refroidissement laser est responsable d'un gain de précision des horloges atomiques. En effet, rappelons que le temps est défini à partir de la fréquence de l'onde émise lors de la transition entre le premier niveau excité et le niveau fondamental du césium-133. Cette onde appartient au domaine des micro-ondes et oscille par définition 9 192 631 770 fois par seconde. Dans une horloge atomique, des atomes de césium interagissent avec un rayonnement micro-ondes d'une cavité pendant une durée limitée du fait de l'agitation de ces atomes. Et on montre que la précision de l'horloge est améliorée si d'une part le temps d'observation est plus long, et d'autre part, si les vitesses des atomes sont faibles, ce qui réduit l'élargissement Doppler des raies atomiques, comme on l'a déjà vu dans le cours sur l'effet Doppler. Voici un graphique qui montre l'évolution de l'exactitude des horloges atomiques depuis les années 50. En noir, les horloges à césium. Notez le gain de précision apporté suite à la redéfinition de la seconde en 67, puis l'amélioration significative dans les années 90, apportée par le refroidissement laser et notamment l'utilisation de ce qu'on appelle les fontaines atomiques. Depuis 2008, on utilise des horloges basées sur d'autres éléments que le césium, avec des transitions dans le domaine optique, ce qui permet un gain de précision encore plus grand. À l'heure actuelle, l'horloge basée sur l'élément ytterbium présente une dérive dans le temps de moins d'une seconde sur l'âge de l'univers. C'est à couper le souffle. Alors, on a également l'interférométrie atomique, qui est un autre champ d'application du refroidissement laser. En effet, lorsque l'on ralentit fortement un ensemble d'atomes, on peut mettre en évidence le caractère ondulatoire des particules prévues il y a plus d'un siècle par Louis de Broglie à l'époque du développement de la mécanique quantique. Rappelons qu'à toute particule, on peut associer une onde quantique de longueur d'onde lambda égale h sur mv, où h est la constante de Planck, v
La vitesse de la particule est m, sa masse. Dans les conditions courantes, un atome présente une longueur d'onde de De Broglie beaucoup plus petite que sa taille, de sorte qu'il est difficile de mettre en évidence des phénomènes d'interférence quantique entre atomes. En revanche, pour des atomes refroidis par laser, la longueur d'onde de De Broglie peut atteindre le micromètre, ce qui ouvre la possibilité d'observer des phénomènes quantiques atomiques, comme par exemple ici, où l'expérience d'Young de l'optique est réalisée avec des atomes. On voit nettement les franges d'Young sur le détecteur ici présent. Parce que les atomes ont une masse, l'interférométrie atomique est très sensible à la gravitation et à l'accélération, ce qui fait que c'est une technologie de premier choix dans le domaine de la gravimétrie et de la physique fondamentale. Pour terminer, sachez que le refroidissement laser est une jeune technologie d'une trentaine d'années et qui a fait l'objet de nombreuses récompenses comme le prix Nobel de physique, un en 1997 et un autre en 2001.